Je trouve ça somptueux, somptueux, le Denner Eustache que j'avais connu sur une belle fille comme moi. Je lui avais fait conduire un camion qui ne marchait pas. Il ne savait pas conduire. Camion du dératiseur. Voilà, toujours. Et là, je vois le chat qui crie. Oh, les filles en hiver, on ne les voit pas. On ne les voit pas, elles ne sont pas là. Et d'un coup, les premiers rayons de soleil, boum ! Les gonzesses de partout qui sortent des métros les plus canons les unes que les autres. Et puis les jambes des femmes, et puis la façon dont elles marchent, dont elles ondulent. Et pourquoi je les regarde. Et ils se retournent. Là, ça dure 1 minute 40. Hein. C'est là que tu vois ce que c'est qu'un cinéaste. Hein. J'ai vu des bandes là, hier à l'hôtel. Hein. Internet, je me suis tapé ça. 1 minute 40, t'es dedans, et ça te prend au cœur. Parce que moi, j'ai naturellement rêvé comme lui, pensé tout ça. Sensualité, pareil, quoi. 1 minute 20, les deux extraits. Et toi, Yann ? Moi, ça suspendait quand même un peu que j'arrêterais de monter ces films, puisqu'il a un espèce de cycle, environ de 5 films par monteur, probablement pour ne pas rentrer dans une espèce de complaisance qui fait que, tiens, on va employer les méthodes du film 3 pour le film 4, puisqu'on a déjà travaillé ensemble, il n'y a qu'à faire pareil, ça sera aussi bien. Ben non, c'est justement pas comme ça que font les films, parce qu'ils sont quand même copieusement différents, surtout sur Truffaut, qu'alterner une comédie et un film, disons, noir ou sombre, comme Adélache, ou plus tard que je n'ai pas monté La Chambre des Morts. Et là, sur celui-là, bon, ça se dessinait que j'allais plus être là, puis en plus, concordance des temps formidable, puisque ce monsieur me demande de monter son film. On était déjà sur les repérages et tout ça, on était déjà en parallèle sur la fabrication du film. Et puis, donc je ne monte pas, et c'est une bonne surprise, parce que quand je vois le film après qu'on est invité en projection, avec un petit mot adorable comme toujours, je vois un truc que je trouve formidable, moi peut-être le plus grand souvenir que j'ai du film, à part toutes ces femmes sublimes, c'est la petite fille, et le bout de littérature qu'il y a tout d'un coup, la petite fille qui est la nièce de Juliette Berthaud, là, qui est assise sur l'escalier, qui est en robe rouge, et au moment de tirer le bouquin, il fait une dernière correction, non robe bleue, ou l'inverse, je ne sais pas. Ouais. Mais il change la couleur de la robe, c'est la seule correction qu'il fait, juste au moment où bam, bam, les machines à imprimer vont imprimer le truc. Alors ça, je trouve ça vraiment formidable. Comme c'est tellement son truc d'imbriquer cinéma et littérature, tu veux, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ouais, ouais. Avec Yann sur Passe-Montagne, on n'y voyait plus rien. Et d'un seul coup, c'est la seule fois où j'ai osé l'appeler. Film du carrosse, oui. On montait juste à côté, dans la rue d'à côté. Je lui dis, François, on est bloqué avec Yann, on ne comprend plus rien. Faudrait voir le truc. Il est venu, ça, c'est au premier rang. Il y a une projection d'équipe, comme on faisait avec Yann tout le temps. Personne ne voit Truffaut. Il attend que tout le monde se barre. On se retrouve vers l'ascenseur parce qu'on était au troisième étage pour monter. Il dit, Jean-François, vous avez fait une baroquerie forestière. Alors, c'est peut-être pas mon truc, mais il faut y aller à fond. Les problèmes, c'est pas du tout là, ce que vous dites. Non, vous y allez à fond. Et puis il me dit aussi, qu'est-ce qu'il avait dit, on devrait... Un classement par genre, et oui. Dans Pariscope, les films étaient classés par genre, classement par genre. Il dit, on devrait ajouter une rubrique au classement par genre pour votre film, oui. Ce serait le Fantastique Paysan. Voilà. Fantastique Paysan. Bon, vous me tenez au courant. Il s'en va, hop, fini, hop. Tu vois, c'est lui, ça. L'élégance, rapidité, personne n'a su qu'il était là. Et nous, on est rentrés. Comment on a réattaqué le montage avec un cœur neuf, ben oui. Et que voilà, on est arrivé au film. Comme par hasard, les gens dans cette relative petite équipe qu'on était, on fait du cinéma, j'ai continué à rêver cette Yann, des années plus tard, Suzanne Schiffman, Walter Ball a fait un film,
Pierre William Glenn en a fait trois. Moi, Pierre Zucca, et j'en oublie un, je ne sais plus lequel, et Claude Mière. Oui, sept. Sur une petite équipe, il y en a sept qui font du cinéma. Mais Truffaut ne nous a pas choisi parce qu'on avait envie de faire du cinéma. On ne savait même pas qu'on avait envie de faire du cinéma. C'est une alchimie, je n'ai pas la réponse. Hein. Il n'a pas dit, vous devriez faire des films. Jamais, jamais. Nous, c'est vous, vouement, salut patron, une petite phrase de temps en temps, et puis c'est tout. Hein. Lui, en pompe Chirouti, quand on a vaincu l'équipe de tournage de Claude Miller à Thiers, et que lui avait un short super, genre kaki anglais, et des pompes de chez Chirouti absolument magnifiques, avec laquelle il a fait tout le match. Alors ça, c'était vraiment... Ouais. Moi, la photo, elle est encadrée là au-dessus de mon ordinateur. Ouais. Ça, c'est merveille. Et puis ce « vous », voilà. Vous. Vous, comme une espèce de gros titre, comme ça, qui englobe tout, tout le monde et un par un. Moi, la photo qui est mon fond d'écran sur l'ordinateur que j'ai retrouvé, c'est sur la nuit américaine. Il est là, on regarde. Là, dans la même direction, lui, il se sert, il a le mégaphone que j'ai autour du cou. Moi, j'ai mon blouson vert, tout ça, c'est une photo en noir et blanc, c'est magnifique. Et on est tendu sur un truc, on regarde, c'est une photo tirée du film. Et là, on est... Ouf ! C'est mon... C'est le fond d'écran sur l'ordi, tu sais. Merci. À vous. Pour votre temps. Ben, c'est pas triste, hein.